vie, je suis enseignant-chercheur dans le domaine de la géochimie. Donc c'est mon domaine d'enseignement et de recherche au sein d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ENSEGID. Alors ma mission, c'est de monter des projets de recherche, bon pas tout seul, hein, avec mes collègues, pour travailler sur le domaine de l'origine des eaux souterraines, en amont un peu de ce que vont faire d'autres organismes comme le BRGM. Nous, on va se situer sur le côté recherche, on va essayer de mieux comprendre l'acquisition de la composition chimique des eaux et l'origine de ces eaux. Alors, pour retracer l'origine des eaux souterraines, donc le matériel de base pour nous, ça va être une analyse. Donc la première partie, c'est collecter des échantillons qu'on va ramener au laboratoire et qu'on va analyser. Donc on va faire plusieurs types d'analyses, des analyses de chimie classiques. On va doser les éléments, ce qu'on appelle les éléments majeurs. C'est des anions et des cations qui sont toujours présents, sodium, potassium, magnésium, calcium, chlorure, nitrate, sulfate. Donc on va doser ces éléments avec des appareils de ce type-là, qu'on appelle des chromatographes liquides. À partir de ça, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle une carte d'identité de l'eau. C'est-à-dire qu'on va voir son faciès. Ensuite, on va chercher d'autres éléments, hein, des éléments traces, du fluor, c'est un intérêt pour la santé, du barium, du strontium. Et ça, c'est des éléments qui vont être en faible quantité, hein, quelques centaines de microgrammes, alors que les autres, on est au-delà du milligramme, voire des dizaines ou des centaines de milligrammes. Et donc, ces éléments-là, ils vont nous donner de l'information plus précise sur les interactions, les réactions chimiques qui ont pu se produire. Et puis après, on va s'intéresser aussi à l'origine de l'eau. Donc pour ça, on va utiliser deux types d'outils, qui est la mesure des isotopes stables et la mesure des isotopes radioactifs. Et tout ça, ensuite, ça va servir à ceux qui font les modèles de gestion pour mieux contraindre leurs modèles. Et ainsi, on va boucler la boucle de l'utilisation de l'eau, hein, puisque le but ultime, à la fois, c'est pouvoir utiliser cette ressource pour fournir de l'eau potable aux populations. Ce que j'aime dans mon métier, c'est à la fois ces aspects terrain, même si maintenant on en fait de moins en moins, mais aussi ce côté rigueur de l'analyse et puis essayer de comprendre voilà, ce qui a pu se passer. Pourquoi cette eau a telle composition, pourquoi est-ce qu'elle est naturellement potable, depuis combien de temps elle est là au sein de l'aquifère, comment on va pouvoir l'exploiter. Et puis aussi, l'autre côté qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va retransmettre aussi tout ça aux étudiants. Donc ça, c'est aussi l'autre côté passionnant, c'est d'expliquer ce qu'on fait et à quoi ça sert. Non, ce qui est intéressant dans ce métier, c'est qu'on peut monter les projets qu'on veut, qu'on travaille avec des gens qu'on aime, et surtout, qu'on peut se donner le temps de la réflexion. Donc, pour faire ce métier, de géochimiste, d'abord je crois qu'il faut aimer la chimie, il faut être assez rigoureux dans son travail, notamment le travail analytique, hein, parce que c'est, vous l'avez compris, c'est la pierre de base, c'est là-dessus que repose tout notre travail. Ça s'acquiert par la formation. Ensuite, dans nos domaines à nous, il faut aimer aller sur le terrain. Il faut savoir se débrouiller souvent sur le terrain, parce que tout n'est pas forcément comme on l'avait prévu, hein. Il faut savoir s'adapter. Et puis surtout, l'aspect important, c'est qu'il faut se documenter sans cesse, parce que les techniques évoluent sans cesse. Il y a de nouvelles méthodes, il y a des collègues qui ont des nouvelles idées, etc. etc. Donc il faut beaucoup lire, et il faut aimer ça. Je crois qu'un conseil particulier, non. Je crois qu'il faut être conscient qu'il y a peu de postes dans notre domaine. Il y a peu de postes à l'université et en géochimie encore moins. Mais si quelqu'un est motivé et est intéressé, je crois qu'il y a toujours moyen de trouver sa place. Mon expression, mon proverbe préféré, c'est peut-être la devise de Guillaume d'Orange qui disait « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. » Si j'étais un super-héros, peut-être Zorro, un souvenir de mon enfance. Ou alors plutôt un endroit, une île dans la Méditerranée avec le soleil et la montagne. Si j'étais une goutte d'eau, j'aimerais bien être un endroit où les hydrogéologues pourraient jamais me pomper.